Alors Dieu créa l'homme. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de Satan. Satan est un esprit. L'un des anges déchus est présentement déchu. Est-ce que vous m'écoutez? Il est déchu. Dites après moi, Satan est déchu. Il y a certains attributs de Satan que j'aimerais que vous connaissiez avant que nous ne commencions. Premièrement, Satan n'est pas omnipotent. En fait, laissez-moi commencer par ceci. Il y a trois attributs qui font de Dieu ce qu'il est. Premièrement, il est omnipotent. Le mot « omni » veut dire « tout ». Potent veut dire « habileté ». Tout puissant, omnipotent. Deuxièmement, il est omniscient. Omniscient veut dire « il sait tout ». Tout savoir, il sait tout. Troisièmement, il est omniprésent. Le psalmiste a dit, où pouvons-nous cacher de ta présence? Omniprésent veut dire qu'il est partout. La personne qui peut avoir tous ses attributs à tout moment s'appelle Dieu. Toute personne qui à tout moment peut être omniprésent, omniscient, omnipotent s'appelle Dieu. Satan ne peut pas être partout au même moment. Est-ce que vous m'écoutez? Par exemple, il n'est pas ici. Est-ce que vous m'écoutez? Alors ne restez pas dans cette peur en disant « Hey, c'est Satan ». Non, Satan n'est pas partout. Il ne peut pas se retrouver partout au même moment. Parce que lorsqu'il s'est présenté devant Dieu dans le livre de Job, Dieu lui a demandé « Mais d'où viens-tu ?» Il a dit « De parcourir la terre et de m'y promener ». Mais vous n'entendrez jamais dire que Dieu parcourt la terre en s'y promenant. Il n'y a que ses yeux qui parcourent la terre. Il s'appelle Alpha Omega. Le mot « et » est une erreur dans la traduction. Ce n'est pas « et Omega », c'est Alpha Omega. Cela veut dire que le futur n'existe pas en sa présence. Tout est là. Il ne s'appelle pas Alpha et Omega. Alpha est la première lettre de l'alphabet hébreu. Omega est la dernière. Donc, il est le début et la fin. Alpha Omega. Alléluia. Alors, Satan se manifeste avec différents esprits, différentes manifestations d'esprit. Alléluia. Et il y en a plusieurs. La mort fait partie d'eux. La mort n'est pas un phénomène. La mort est un esprit. Est-ce que vous m'écoutez? La Bible parle de quatre chevaliers dans le livre de l'Apocalypse. Et la Bible dit que le séjour des morts accompagnait l'un d'entre eux. Et celui qui le montait se nommait la mort. Alors c'est un esprit. L'enfer par exemple est un esprit. L'enfer n'est pas qu'une situation géographique, je vous ai dit. L'enfer est au centre même de la terre. L'enfer se présente sous la forme d'un homme et s'élargit tout le temps. Par révélation, nous pouvons voir dans Ésaïe que l'enfer élargit sa gueule. La Bible dit « Je descendrai dans la géhenne, là où leur ver ne meurt pas. » Alléluia. J'espère que vous savez que Jonas était allé en enfer. Jonas n'était pas juste resté dans le ventre du poisson. Jonas est allé en enfer. Jonas avait commencé à donner la description des portes de l'enfer et de ceux qui étaient enchaînés. Alors l'enfer est un esprit. La Bible parle du jour du jugement où la mer rendra les morts qui étaient en elle. Est-ce que vous m'écoutez? La Bible dit également que la mort et le séjour des morts rendront les morts qui étaient en eux. L'enfer, la mort, le dernier esprit qui sera détruit, c'est la mort. La Bible dit que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. Personne ne se trouve dans l'étang de feu en ce moment. L'étang de feu fait partie du royaume de Dieu. Il a conçu l'étang de feu pour punir Satan. Alors tous ceux qui sont morts et qui se trouvent en enfer ne sont pas encore entrés dans le processus de punition. C'est lorsque Satan sera officiellement jeté en enfer que leur punition commencera. Cela s'appelle en théologie la doctrine de l'interpénétration. Comment deux personnes peuvent devenir une seule personne? C'est ça le mystère du mariage. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux ne feront plus qu'un seul. C'est ainsi que l'épouse et l'esprit, l'Église et le Saint-Esprit sont devenus un. Celui qui s'attache à Christ est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à Satan est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Celui qui s'attache à Satan est avec lui un seul esprit. Alors comment Satan exécute-t-il toutes ses activités? Il essaye d'imiter les opérations de la Trinité. Parce que selon la structure administrative du ciel,
Le Père est toujours celui qui prend l'initiative. La parole déclare les choses à l'existence. Et le Saint-Esprit est la branche pentecôtiste de la Trinité. C'est lui qui fait bouger les choses. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 2, il est le premier de la divinité à être révélé. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Satan essaie aussi d'imiter l'organigramme opérationnel du ciel en essayant de créer ce que nous appelons 666. 666 n'est pas que quelque chose que les gens recevront sur leur bras et sur leur front. 666, le chiffre 6 représente l'homme. Est-ce que vous m'écoutez? 1 est le chiffre de l'unité. 2, le chiffre du témoin. 3 est le chiffre de l'établissement des choses. Et c'est également le chiffre de la Trinité. 4, opération du Saint-Esprit. 5, c'est le chiffre de la grâce et de la miséricorde. Et le chiffre 6 représente l'homme. 7 est le chiffre de la perfection. Et 8, le chiffre des nouveaux départs. Alors, avec le 666, Satan essaye d'imiter les opérations de Dieu. Le premier 6 représente Satan, qui veut être le Père lui-même. Le deuxième 6 représente l'Antichrist. L'Antichrist est en même temps un système et une personne. Le gouvernement de l'Antichrist a commencé à la naissance de Caïn et Caïn quitta la présence de Dieu. Il a construit une ville en nommant cette ville après son fils Enoch. Le même esprit de l'Antichrist suivait Nemrod et il a dit « Nous allons bâtir une ville dont la tour atteindra le ciel. » Le même esprit était sur Nebuchadnezzar et il a construit Babylone. Le même esprit était sur Jézabel et Achaz. Et le même esprit était sur Héro dans le livre des Actes. Et le même esprit est expliqué dans le livre de l'Apocalypse comme la Babylone mystérieuse. Alors, nous avons l'Antichrist en tant que système, mais il existe également l'Antichrist en tant que personne. Et cette personne, c'est celui qui essaye d'imiter Jésus. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que l'Antichrist n'aura rien à voir avec les femmes, parce que Jésus ne s'était pas marié. L'Antichrist mourra et il reviendra à la vie. Le pouvoir lui sera donné. Le dragon lui donnera le pouvoir. Et le dernier 6 représente le faux prophète qui essaye d'imiter le Saint-Esprit. Pourquoi sont-ils si nombreux? Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul Saint-Esprit que nous avons. Nous n'en avons pas plusieurs. Nous l'avons lui. Alors, puisque Satan ne peut pas être omniprésent, il se sert de plusieurs personnes. Vos artistes rap, ils sont tous la manifestation de cet esprit.